Il y avait plusieurs centaines, 730 millions de stocks de masques chirurgicaux lorsque je suis arrivée au ministère. Il y en avait 750, un peu plus de 750 lorsque j'ai quitté le ministère. Et donc, on ne peut pas dire que c'est pendant ces 5 années où j'ai été ministre que les stocks n'ont pas été renouvelés, n'ont pas été maintenus. Il appartiendra à des enquêtes de dire ce qui a pu arriver à ces stocks de masques, même si aujourd'hui, je crois que l'essentiel n'est pas là. Nous sommes dans une situation où, en tout état de cause, il faut relancer la machine qui permet de produire des masques, si nous en voulons, des centaines et des centaines de millions supplémentaires pour que tous les Français puissent en avoir, si telle est la doctrine que le gouvernement met en avant, ce qui serait une nouvelle doctrine. Mais encore une fois, lorsque j'ai quitté le ministère, il y avait plusieurs centaines, 750 millions de masques chirurgicaux dans les stocks de l'État.